Et nous pas bénir notre Saint Jésus-Christ. Nous nous disons pour vous, alléluia. Amen. Jésus, Jésus, notre passe. Alléluia. Jesus, our Passover. Amen. The Passover of today. Passe sur nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous avons ma notre Jésus-Christ et nous avons que bon Dieu est vraiment tout ce qui est aujourd'hui. Vous permettez de vous exprimer dans la prière? Merci Seigneur. Voilà toi, Seigneur. Thank you. Seigneur, merci pour ton temps. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur, envers ton temps. Merci, tu as donné ton fils. Le seul fils unique, Seigneur, mon Dieu, pour nos péchés. Merci, Seigneur, pour donner Jésus ta vie pour nous sur la croix. Et aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, tu es plus mort, tu es ressuscité. Et pour les siècles de l'époque, tu n'es pas dans un tombeau. Et nous t'allons Seigneur, mon Dieu, pour cette vie qui est en Christ. Et merci parce que tu nous as dit sur le même esprit qui ressuscite Christ après la mort. Seigneur, habite en nous, Seigneur, pour dire que là, nous vivons. Vive par l'Esprit. Vive par l'Esprit, capitaine. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a donné. Merci encore pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Et merci pour ton cœur. Seigneur, Seigneur, nous avons prié que ton cœur soit en contrôle dans le monde. Que ton Saint-Esprit agit. Que ton Saint-Esprit parle dans le ciel. Seigneur Jésus, c'est vous qui parlez nous. C'est vous, Seigneur. Alléluia qui est mort et qui ressuscite. Et merci encore, Seigneur mon Dieu, pour tout ce qui est passé. Seigneur mon Dieu, sur nous, Seigneur, pour passer sur toutes les situations que nous avons fait face. Un bon matin, vous avez mené solution, vous avez mené délivrance, vous avez mené victoire, vous avez mené guérison. Papa, vous avez béni, Seigneur, bon matin, parce que nous venons ensemble ici. C'est pour nous faire pécher, c'est pour nous faire jeûner quelque chose de Papa mon Dieu, nous avons prié. En nom de Jésus-Christ, que tu prennes en plein contrôle. Bon matin, l'instant de réunion en nous. Nous demandons, papa, que tu prennes toucher en nous, que tu prennes toucher en séance. Papa, que tu prennes tous les plans de l'ennemi. Bon matin, que tu prennes agir puissamment, alléluia, en dedans la vie, nous. Que tu prennes en plein contrôle, papa. Que tu prennes le Saint-Esprit ministre, que tu prennes le Saint-Esprit en contrôle, que tu prennes le Saint-Esprit agir. Qui est le Saint-Esprit libéré en homme, libéré en femme. Papa, dans ce qu'on t'essaye avant, Seigneur mon Dieu, tu t'essayes encore, tu t'es libéré, tu t'es guéri, tu t'es sauvé, papa, tu t'es brisé, tu t'es libéré, papa mon Dieu, alléluia, parce qu'on a même pouvoir de l'hier, parce qu'on a même pouvoir aujourd'hui, parce qu'on a même demain, tu t'as jamais changé, tu t'as venu plus fort. Papa, nous nous merci pour grâce, merci, papa mon Dieu, de belle vie, vous nous. Merci de mort sur la croix. Alléluia. Tu es dans votre bébé. Ressuscité. Dans le premier jour, Seigneur de Dieu. Et tu es premier de ressusciter à travers la mort. Nous ne pouvons pas bénir nous. Nous ne pouvons pas nous servir nous. Parce qu'on mérite toute gloire. On mérite toute louange. On mérite toute adoration, papa. Alléluia. Nous vous remercions encore pour cette grâce. Merci encore pour ce bon matin. Merci, Seigneur, pour chacun de nous en ce matin, Seigneur. Tous, Seigneur, tes enfants, libère tes enfants. Seigneur, que les agis puissamment dans nos vies, que les propres contrôles. Et ce moment, papa, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour gloire, papa. Amen et amen. Alléluia. Ta bon Dieu, oui, merci, bon Dieu, papa, je dois. Oui, monsieur le Seigneur, applaudis le Seigneur très fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci le Seigneur, merci Papa. Merci Papa, merci Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ta fidélité l'Éternel. Merci, alléluia. Tu es digne d'être loué Seigneur. Tu es digne d'être élevé moi. Tu es digne d'être glorifié Jésus. Merci pour ta grâce.
Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sang. Ton sang qui croulait sous Golgotha. Ton sang qui croulait, alléluia. Merci pour la croix ce matin. Merci, Seigneur, alléluia. Pour toi, toute malédiction. Gloire sous la croix. Et pour la victoire. Jésus-Christ, alléluia. Et nous disons merci, papa. Merci, Jésus. Merci, l'éternel. Alléluia. Alléluia! 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 Sois loué, Jésus! Sois loué, Jésus! Sois béni, Jésus! Sois glorifié! Sois magnifié! Tu es digne d'être loué! Alléluia! 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 Gloire à Jésus! Gloire à Jésus, assieds-vous. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Matthieu chapitre 26, verset 1. Matthieu 26, verset 1. And it came to pass when Jesus had finished all these things, he said unto his disciples, ye know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. Lorsque Jésus fut assorti tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alléluia. Amen. Exodus chapter 12, from verse 1 to 14. You can read. Hallelujah. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous comptez pour cet agneau d'après ce que chacun commande. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 3e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les lintons de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et les chevilles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers au pied et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est là l'acte de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je vous mets le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous
vous regardez les aujourd'hui je dimanche pas côté ni pour le monde pour nous accueillons importance de Jésus qui nous soutient. Alléluia. Et passez nos cadres à nous. Amen. Je dis passez à nous. Alléluia. Pour les Juifs sont go, go, go événement. Mon papa aussi nous content parce que aujourd'hui, alléluia, c'est pas le jour qui est important. Mais ça, Christ fait dans nous. Un résultat là, alléluia. Ça raconte pour nous. Alléluia. Partout. Et même la Pâque. Et quand il nous compte, the Paschal sacrifice, the Paschal sacrifice, which was custom to be offered for the people, deliverance of old from Egypt. The Paschal sacrifice, which was a custom. Le sacrifice pascal qui était de coutume. To be offered for the people's deliverance. Qui de coutume était offert pour la délivrance du peuple. Of old from Egypt. Des anciens temps de l'Égypte. The Paschal lamb. Donc l'agneau pascal. The lamb the Israelites were accustomed to see. Et l'agneau pascal que les Israélites avaient pour coutume de tuer. On eat on the 14th day of the month of Nisan. De tuer et de manger sur le, dans le 14e jour du mois de Nisan. The fifth month of the year. Le premier jour de l'année. Aujourd'hui, qui est arrivé. In memory of the day on which their fathers, en mémoire du jour où leur père, preparing to depart from Egypt, se préparait à partir d'Égypte, they were bidden by God to slay and to eat the lamb. Dieu leur demandait de tuer et de tuer un agneau, and to sprinkle their doorpost with its blood. Et de le manger et de passer le sang sur le chambranle de porte. That the destroying angels, afin que les anges destructeurs, seeing the blood, en voyant le sang, might pass over their dwellings, puissent passer par-dessus leur maison. Christ's sacrifice is likened unto the slain Paschal lamb. Et donc le sacrifice de Christ est semblable à cet agneau pascal. Alléluia. C'est au bon moment pour nous parler de ça. Alléluia. Jésus, nous est dans l'île de Matthieu. Jésus savait que l'œil était arrivé. Il a préféré tout ce discours. Il parlait d'ailleurs avec Dieu, je parle de Jésus, c'était la Pâque. Mais, dans l'homme, c'est le travail. Amen. Donc, quand je dis, je me dis, si ces hommes qui ont été vraiment sages, je peux accomplir ce qui est venu pour mener la liberté par l'humanité. Par résister Jésus avec crucifié. Est-ce qu'il y aurait été vraiment fait ça? Mais tout ça, là où est la parole de Dieu pour accomplir, quelle que soit sa longue fait ou pas sa petite parole. Parce que bon Dieu, tu as fait tout ce que tu as fait, et si tu as fait ça, moi et tout, tu as fait une liberté aujourd'hui. Pour nous comprendre ce qui passait dans le jour de le fait de Pâques, nous ne pouvons pas parler d'exode. Ah non, nous ne pouvons pas parler d'exode.
les jours pour qui connaît l'histoire des enfants d'Israël ces 400 années en Égypte. Et c'est pas si évident pour les Égyptiens de libérer le peuple de Dieu. Reconnaître Moïse, toute l'histoire libre, naissance libre et puis grandir. Si ça rentrait par cet homme, c'était lui qui était une intelligence pour le peuple d'Israël, malgré qu'il était passé en monde poussé. Il était passé en garçon poussé et en rénovation. Et il t'a parti. Et imaginez-vous, vous avez un garçon poussé qui vous avez un petit garçon, un petit caillou, et il vous a dit c'est lorsque mon Dieu veut libérer son peuple, l'ennemi ne peut pas faire quoi après mon Dieu. Lorsque Dieu nous prend pour libérer, pour délivrer, Jabla peut en rien faire pour ça. Pas de rien. Parce que bon Dieu est allé plus bas. Donc, Moïse levé dans le connaissant de l'Égyptien avec Kaïli, de réaliser pour bon Dieu que ça délivrait Maman Israël. Il faut que l'homme soit rencontré bon Dieu pour jeune homme. Et nous voulons connaître l'histoire qui s'est passée. De l'homme là, il faut que l'on soit avec le pharaon de l'Israël. Il faut que l'on soit bon Dieu pour nous voir même côté. Après Jésus-Christ, après grand-parent mort, et qu'on l'a parent méchant de lui. La Bible a commencé à nous dire, je dois arriver, peut-être que j'ai allé vous délivrer. Mais, je ne pas délivrer comme vous avez là, je ne peux pas faire sans peine. Avec beaucoup de miracles, de produits. Mais ça qui pourrait transformer, c'est le dernier. Ce qui fait, je lâche pour qui j'ai. C'est le dernier. Donc, le dernier miracle, c'était ça. Dernier pas mon Dieu de faire, c'était ça. Dernier signe, mon Dieu de l'Ibaï, c'était ça. Oh, il faut que le peuple d'Israël libéré. Et donc, Dieu parlait Moïse. Alors, qui dit, par l'île de Caron, par vérité, à l'île d'un pays, il dit, moi, voilà, alléluia, quand on a dit des gens, c'est quand il est le premier mois de l'année. C'est quand il faut tourner. Amen, alléluia. Il dit, the beginning of month. C'est le commencement de mois. Alléluia. Il dit, quand on est dit, Abib et de Nissan, qui est Abib. C'est quand il commencement de l'année. Ouais. C'est un corps pour qu'on soit même délivré. Donc, on dit que c'est un bouillot, c'est un commencement pour ça. C'est-à-dire que pour Dieu, je vous prie en parole, il faut que ça ait dit, donc il a pris en l'espoir. Donc, pour Dieu, il a demandé si il a délivré, pour Dieu, ça a dit, moi, ça a fait premier pour la zone. Nous avons fait le premier mois que nous prenions la maison pour dire que nous avons fait un commencement nécessaire avec nous. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de nous faire avec nous. Nous sommes en train de trouver la maison en l'occurrence. C'est un commencement de la vie pour nous. C'est un commencement de la vie pour nous. C'est un commencement de tout pour nous. Alléluia. Si nous voulons, bon Dieu, faire un travail, il faut nous commencer à côté. Et bon Dieu, c'est lui qui commence, c'est lui qui l'a fait. Alléluia! Il est tout. Si vous voulez aller, si vous êtes en arrière, il est là. Si vous allez en futur, bon Dieu, là. Si vous êtes en présent, il est là. Alléluia! Vous ne pouvez pas comprendre ça. Bon Dieu, présent. Personne ne va comprendre ça. Alléluia! De passer dans ce monde de la vie, sans vous dire de la vie, vous savez, et commencement de la vie. Au commencement. Bien aimé, au commencement, il y a un pire important. Alléluia. Amen. A new day. New beginning in your life. Un jour nouveau. Un nouveau jour. Un nouveau départ dans votre vie.
c'est pas mon dénonciation de comprendre. Ça, c'est un nouveau départ. De la vision. Amen. Maintenant, la situation, c'est un nouveau jour. Quand Jésus-Christ, l'Esprit Jésus, ressuscite un jour comme il y a, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour pour cette boutique-là qui est toute nouvelle, qui est en courrier, qui est en courrier pour mon Dieu. C'est un nouveau jour. L'intention de la pauvre est en courrier. C'est un nouveau jour. Le temps de Dieu, le temps de mon Dieu de mer, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau jour. Et c'est pourquoi il dit si quelqu'un est en Christ, il est nouveau en Christ. Anciennes sont passées, toutes sont devenues. Bon Dieu, les racontons son nouveau jour. Bon Dieu, à faire le temps, il y a un nouveau jour qui t'a venu, que tu t'en vivant. Alléluia. Un jour nouveau. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Un jour nouveau. Bon Dieu, veut faire quelque chose d'important. Alléluia. Où sommes-nous? Donnez-nous que croit que bon Dieu parle de nous. Donnez-nous que croit que bon Dieu parle de nous pour passer. Bon Dieu parle de nous pour passer. Bon Dieu parle de nous pour passer. Il parle de nous pour la situation. Le peuple d'Israël, c'est le vide qui fait de tout appeler. Vous êtes accouillés. Mais bon Dieu, c'est un sanguignon pour moi, c'est un sanguignon. Alléluia. Et maintenant, on est dans une situation où il y a un peu où il y a un peu de couillet, où il y a un peu de couillet, où il y a un peu de couillet, où il y a un peu de couillet. Et pour Dieu, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau bagage pour faire mal. Là, il y a un commencement pour vous. C'est un commencement à l'eau. C'est un commencement à l'eau. C'est ça où Dieu dit, il y a un peu de choses. Là, il y a un peu de choses pour toutes les choses. Là, il y a un peu de choses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si c'est jour, c'est jour, j'en viens. Parce que c'est un jour. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Jésus-Christ, notre Pâque, passe ce jour. Jésus, alléluia. Vous à au monde radiant. Ça, c'est pas pour craser. Là, Jésus qui est passé. Le bon Dieu qui est passé, c'est parce que tout est écrasé dans ma vie d'ailleurs. Le petit bon Dieu passé avec nous, bon Dieu qui fait bon bagage dans nous. Bon Dieu parle, ou pas passer tout problème. Bon Dieu parle, vous n'êtes pas mal fait tout. Bon Dieu parle, vous n'êtes pas difficulté. Bon Dieu parle, tout petit problème qu'on a passé. On n'est pas savoir. Vous comprenez que si bon Dieu était sale dans les temps passés, en disant que je vais pas arrêter, et même je vais pas. Oui, j'ai fait 7 jusqu'à 8 ans. Il n'est pas dit que maman est un tout grand. Il est un bon Dieu. Alléluia. J'ai vu la souffrance de mon père. Il est un bon Dieu. Et vous, je me dis ça. Quand on dit le prix, alléluia, il faut passer. Alléluia, il faut pousser ce qu'on préfère. Car je connais les douleurs. Je ne dis pas. Je suis descendu pour le délivrer de la mer. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà comme vous. Donc, je suis dit, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es en train de faire? Où est-ce que tu es là? Où est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de faire? Mais bon Dieu lui-même qu'a déplacé. Alléluia. Bon Dieu lui-même qu'a déplacé. Bon Dieu. Alléluia. Bon Dieu pour libérer nous. Et nous qu'a pas dit. Et nous qu'a dit comment bon Dieu
descendre, ou ma parole te rebelle, ou ma toutes les signes, ça va pas t'amener, ou ma toutes les signes, ça va pas t'étonner. Mais bon Dieu, t'es libre à l'épreuve. Bon Dieu, t'es libre pour dire bon Dieu, bon Dieu. Alléluia, c'est ça l'homme. Vous savez, je dis ça. Et même, Satan dit bon Dieu, ça pour Job, en Job chapitre 2. Il dit, pour. Tout ça en homme, il est égal pour la vie. Vous le savez? Tout ça en homme, il est égal pour sa vie. Satan dit ça à Dieu. Donc, c'est pour ça. Bon Dieu dit, oh, messieurs, alors, pardon, et bien, on vit pour lui. Si vous ne pouvez pas avoir le dernier homme, on est là. Premier, mais tout à coup. Donc, nous sommes personnes qui mettent bon Dieu en bas. Ça y est, on est un challenge. On est petit. Nous ne pouvons pas mettre bon Dieu en bas. Depuis le Seigneur, au Paris. Alléluia. Je dis, parce que nous, nous avons dit Dieu. Tout à coup, Dieu, qui a gagné. J'ai. Alléluia! C'est le plus grand qui va tout pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen! Nous gardons l'eau qu'on gardait en dedans. Rivons pour dire que ça parlait à Yosef et Yosef. Après le commencement, Yosef a eu libéré nous. Tout le monde est la nuit qu'on bataille, il faut que nous puissions. Nous sommes en tout cas, mon Dieu, qui nous est en condition. Si vous ne faites pas, vous pouvez nous faire. Bien souvent, de la nouvelle délivrance. Bien souvent, nous voulons délivrer. Bien souvent, nous voulons donner à chacun de nous. Mais, ce qui n'est pas autant, est-ce que nous comprenons ça, mon Dieu, qui nous fait? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons ça, mon Dieu, qui nous fait? Oui, il faut que je te délivre. Oui, l'animal est bien de faire. Mais tu connais ça de nous. Bon Dieu descend. Je te fais tout ça que nous faisons. Lui, on va parler à toute personne. Il dit qu'il est bon Dieu qui te l'a dit. Qui ne soit pas dans la même. Et là, nous, dans cette situation, nous allons dire ça ne peut pas faire au point. Personne ne va être délivré. C'est pas vrai. Tout le monde qui va délivrer la même. Depuis que nous disons, tout le monde qui va délivrer. Depuis que nous disons, qui nous a prié dans le coup de l'île? Depuis que nous disons, qui nous a fait? 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 Qui l'homme est en fou, nous connaissons le grand monde qui a dit chaque fois qu'on lui est en vie. Donc, on va demander, c'est pour que l'homme est en forme. Oui, c'est pour que l'homme est en forme. Maintenant, c'est pas lui qui est né ou que c'est pas ça. Thank you.
Thank you.
Je te comprends. Un agneau sans défaut. Tu m'entends? Il t'a mis pour lui aucun défaut. Il t'a mis pour lui aucun défaut. Il t'a mis pour lui aucun défaut. Si tu as un défaut, il va bon. Donc vous allez imaginer, soit l'agneau l'a fait un défaut, pas à Alléluia, qui nous suivait, mais nous avons béni pour Dieu, pour l'agneau immolé. Nous avons béni pour Dieu, pour Jésus-Christ. Alléluia, l'agneau s'est écoulé pour l'humanité. Et là, nous n'avons pas besoin de s'étaler auquel défaut. Nous n'avons pas besoin de nous pas pour nous mettre. Parce que c'est pour l'agneau encore. C'est lui qui va prier. Amen. Je vous laisse ça. Oui. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, allons que tu t'es pas bien. Allons que tu t'es pas bien. Gardez tout ça, Jésus-Christ. Gardez l'homme qui a dit. C'est pour l'autorité de Jésus. Amen. L'autre a des justices. Après le défunt, il y a eu pour nous tous les fantômes. Mais des justices parmi nous, qui a été fait, il y a eu pour prendre et il y a eu pour tuer. C'est pas vrai, ça? Oui. Comment tu t'es dit pour tuer? Tout. Tous les portes, tous les linteaux, c'est pas vrai. Il y a quand même des obligations à la part de la vie.
vous êtes parlé là, mais sauf que je ne sais pas où il y a les forces pour vous libérer. Non, il faut aussi pour moi parler. Il faut aussi pour vous parler. Alors quand il y a eu tout, vous avez fait plus avec les deux forces. Pour vous faire une première minute, vous avez un esprit de libérer Jésus. Parce que normalement, tout peut être la peine de tuer la mer. Secondaire, tout peut être la peine de tuer. Je n'ai pas accompli ce qui était pour libérer les hommes. Parce que l'arrivée, pas non seulement pour Israël, c'est un esclavage. Mais je crois que le travail est en Égypte, mais pas tant que c'est de l'Église, pas tant que c'est de l'Église. Amen. Et l'Italie a nié qui est mauvais, parce que là, on monte à faire une fille, et qui est en Égypte. Ça fait ça, alléluia. Amen. Et depuis telle manière, on ne peut pas être en train de pécher ce monsieur. Alléluia. Oh, béni soit l'éternel. Je te dis pourquoi, sans l'infinité, pourquoi les portes, les tours, les vents. Alléluia. Ça me donne une autre, que tu ne te fais pas. Je ne peux pas faire, priez sur le tour. Oh, béni soit l'éternel. Comme on dit, merci Seigneur pour le sang des autres. Enfin, on va le dire là-bas. The blood sprinkled on the doorpost. Le sang répandu sur les poteaux. Was an example of the blood of Jesus shed for our deliverance. Le sang répandu sur les poteaux de la porte était un exemple du sang de Jésus versé pour notre délivrance. By it, et par cela, we are forgiven. Nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Vous pouvez faire un chapitre 1 et verset 7. C'est dans la liste. We are spared from God's wrath. Romans 5, 9. Nous sommes épargnés de la colère de Dieu dans Romains 5, verset 9. We have been spiritually healed. 1 Peter 2, 24. Petit C, nous sommes guéris spirituellement dans 1 Pierre 2, verset 24. Nous sommes spirituellement alive. Petit D, nous sommes vivants spirituellement dans Jean 6, verset 53. Alléluia. Nous sommes spirituellement the blood pool of his people Israel, Joel 3:21. Petit E, il a promis de purifier le sang de son peuple Israël dans Joel 3, verset 21. Alléluia. Donc, vous pouvez imaginer, même si ce n'est pas une partie contaminée, pas comme ça, non? Même si ce n'est pas une partie contaminée, et pourtant Jésus-Christ qui vient, Jésus-Christ même pour les parfaits, il peut purifier même si ce n'est pas une partie contaminée. Alléluia. Petit S, nous sommes nettoyés
We gain power to overcome the enemy. Revelation 12:11. Et nous avons gagné le pouvoir pour vaincre l'ennemi. Apocalypse 12, verset 11. Look at the following manière aussi. Regardez nos propos. We can overcome the devil and proclaim total victory. Nous pouvons vaincre le diable et proclamer la victoire totale. Tout ça pour dire, pardon, lors de la discussion de Jésus-Christ, en Apocalypse 12, verset 11. Et nous sommes no longer strangers to the covenant of God. Ephesians 2, verset 13. Petit H, nous ne sommes plus étrangers à l'alliance de la promesse. Ephesians 2, verset 12 et 13. We have received forgiveness of sin. Ephesians 1:7. Nous avons reçu le pardon des péchés. Ephesians 1:7. We have been justified. Romans 3:24-25. Romans 5:11. Petit ici, nous avons été justifiés. Thank you.
ta part. Passez sur moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh. Amen. We can enter into the holiness. Enter into the holiest of holies. Hebrews 10:19-22. Oh, nous pouvons entrer hardiment dans le Saint des Saints. Hebreux 10:19-22. Et nous sommes protégés du jugement. Exode 12:27. Alléluia. Et oui, bon Dieu aussi est bien écroulé. Ce sacrifice-là qui était offert à l'idée de cette chose-là. Cette action-là a été coulée pour un. C'est en qualité de sang Jésus-Christ qui coulait pour nous, pour protéger nous des jugements. Donc là où est bon Dieu, où est-ce qu'il est allé nous, il peut passer en notre Dieu. Alléluia. Et pour le monde, pas qu'il y a fait. Jésus-Christ ne fait pas. Parce que sous nous, l'idée, il est important. Regardez, verset 8. Alléluia. Amen. 6 à verset 11. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous vivons dans l'exode. J'étais pour manger. Amen. Voici un identité. C'est pas vrai. Et après, ils ont mangé. Ça n'y a pas d'être. Ils ont dit pour mourir. Tout. Ils ont pas dit pour mourir. Ils ont dit pour voter. Ils n'ont pas pour mourir. C'est voté. Mais c'est ok. Amen. Alléluia. C'est pas vrai. J'étais mis pour manger. Mais ça n'y a pas fini. Ils ont qu'à appuyer. Amen. Et la Bible a fait nous ça. Il y a une manière de manger. Verset 11. C'est ce que nous avons fait. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos instincts, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est là la hâte de l'éternel. Pourquoi le temps pour manger cette hâte? Pourquoi le temps pour manger? L'agneau, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et vous le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que vous avez besoin? Bon, il y a une condition. Mangez la vie en vous-même. Si mes soins à la porte là, je suis vivant. Au cas de Dieu, tu n'as pas mangé. Si tu n'as pas dégagé ça, tu es réellement vivant. Il t'est mis en condition. Amen. Peut-être qu'il y a même des besoins. Bon Dieu, tu es en condition dans nous.
conclue cela, bien-aimé, que nous tous partons. On est le corps de Christ. Le corps de Christ, pas qu'à vivre, sans qu'à manger la sacrifice. Et puis, pas personne. C'est ça qui va permettre de nous, la vie, et de nous. Et qui va permettre de ressusciter nous, dans l'air, de nous. Donc, c'est pourquoi nous avons dit, il faut faire vigilance, il faut faire diligence. C'est ça, moi, les diligences. Si il y a un travail qui peut empêcher nous de participer dans les collectifs, dans les communions, les personnes, pour manger contre cette personne, qui nous a fait la peur de la demander, mais pas pour les écoles du Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ. Oh, alléluia! Nous ne comptons pas comme nous, du Saint-Esprit, parce que Christ, il a bien croyé pour nous. Qui est le Christ? Au cas où que Dieu est mort, il va dire mort. Au cas où quelqu'un, au cas où la vie est venue encore, il va payer d'autres, parce que la vie est venue. Et bien, il va dire simplement, il y a une bonne unité. Il va quitter tout le monde. Simplement, au cas où. Mangez-moi, pour que vous ayez la vie. Blessez-moi, pour que vous ayez la vie. La vie est elle-même, elle est plus du temps. Bien-aimé, il est important. Alléluia. Je nous garde les versets 12 jusqu'à 13. Nous avons donné un exode 12 à 13. On lit. Bonne femme. Nous avons posé du nom. Qu'est-ce que j'ai fait? Je passerai dans le pays. Et je frapperai tous les premiers du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Amen. Et qu'est-ce que nous avons dit encore? Je terminerai de. Ah, d'accord. Qui s'est fait ça? Qui s'est fait ça? Qui s'est fait ça? Vous avez tout à exercer, ça veut dire que ça fait un homme qui connaît ma journée. Il va apprendre, il peut exercer. Ça veut dire qu'il va mettre. Oui. Ils sont Dieu des jugements aussi. Et Dieu au monde, le bon Dieu parle pour venir libérer, bon Dieu. Car mettez jugement à un homme qui fait partie de l'histoire. Aïe, aïe, aïe. Après, il t'a délivré pas plus, il t'a mené jugement à l'autre côté. Maintenant, donc, moi, je voulais dans l'esprit libération. Amen. Ça veut dire que nous voulons un bidon. Oui. Mais nous, pas que nous voulons. Il y a un côté pour Dieu. Quelle maison où Dieu est le bon Dieu pour passer? Parce que tout le monde peut être bidon. Parce que Dieu est choisi pour passer en lui. C'est tout le monde peut être bidon. Mais, au cas de quoi, on peut en vivre. Il s'est mis aux conditions. Il faut le faire dans le monde. Il est conscient. Jésus a passé. Il est là pour tout. Quand Jésus nous est là, tout ce qui est en nous est là, on est mieux. Vous pouvez voir sans Jésus, qui est là, qui est là, sans Jésus, sans Jésus, qui est là. Donc, sans Jésus-Christ qui peut couler, c'est pas fait par l'année avec lui. Sans les derniers couler, les tombeurs, là-bas, mais sans Jésus-Christ, on sait n'importe quoi. Amen. Donc, si Jésus-Christ veut susciter, c'est parce que tout va compter. Amen. Et puis, dans le monde, il est là. Il descend à l'époque de la clé à la maison. Il va en liberté. Il est dans l'intelligence. Donc, avec toi, nous avons pu dire, nous avons dit dans l'organisation. Est-ce que, au côté,
pour mal genre passer août. Et donc, est-ce que vous comptez à ce mal genre pour entrer du début? Vous avez vu? Amen. Lisez cette question de la vie. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par au-dessus de vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand vous frapperez le pays de Jésus. Comment dit Seigneur, passez ici. Donc, si vous voulez passer par au-dessus, ça veut dire qu'on ne peut pas passer. Amen. Dieu m'a dit, on ne peut pas se battre. Alléluia. Alléluia, alléluia. Pour le Seigneur passé, parce qu'il est passé. Amen. Je t'en étais là. Je t'en mangeais toute la nuit pour être plus fort. Amen. Je t'en mangeais la nuit. Je suis dit, mon ami, mangeais la semaine, deux semaines. La vie en Bible. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse passer. Quand la situation encore capable à être toutes les puissances de l'ennemi, bon Dieu veut pas dans la situation et libérer de l'esprit. C'est tout ça qui est passé. C'est un autre problème qui est partout, mais quand Dieu veut passer, quand il est à la maison, ma mari, c'est lui la nuit à nouveau. Oh! Et quand je veux dire, c'est lui la nuit. Alléluia! Est-ce qu'on veut mon Dieu de tout le monde? Bénissez-moi du Seigneur. Tout ça, just like they did not want
to put in their homes the over the over them to the enemy's house. Cette nuit-là, Dieu ne voulait pas passer chez eux, mais pas au-dessus d'eux, jusqu'à la maison de l'ennemi. Why? Pourquoi? God said, the blood shall be a stain on the house where you are. Dieu a dit que le sang sera un signe sur la maison où vous êtes. When you see the blood, quand je verrai le sang, I will go over you. Je passerai par-dessus. And no evil will come on you. Et il n'y aura au point de plaie du moins qui passera sur vous. For your destruction. Pour votre destruction. When my hand is on the land of Egypt. Quand ma main sera sur la la pays d'Égypte. Considérez, c'est pour ça que vous vous mettez sur la main de la terre. Ça veut dire que bon Dieu te va à des bonnes. Oui. C'est ça que tu as fait. C'est ça que tu as fait. C'est ça que vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Qui peut en faire? Ou quand? Conserver. Ça va nous aller avec ça. C'est ça va être exactement ça, je dis que ça va nous. Gardez l'exemple des 19. Excellent. 22-19-20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Lui pour briser pour nous. Vous comprenez? Jésus-Christ offrait quoi? Il offre sacrifice. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Oui. Vous m'entendez? Donc, je dis déjà, c'est comme vous. Et je dis que je dis, il dit, comme c'est moi qui pâte ici. Comme c'est le nom que l'agneau a été volé. Je ne vais pas dire de toute façon l'agneau encore. Non, je vais manger seulement. Descendre. Alléluia. Depuis votre enfant, je vais la vie de la vie. Donc, quand il dit, sans boucle, pas de sang, pas de la vie éternelle. Mais sans Jésus, pas de la vie éternelle. Bon, nous sommes ici. Alléluia. Nous sommes les amis, Seigneur. De qui est-ce qui prie fort? Moi, pour le sang de Jésus. Amen, alléluia. Moi, pour le sang de Jésus. Et je vais croire que 11-26, qui fait dire. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pas quelqu'un qui m'a mouru, non. 11-26. C'est pas la même chose, non. Bon Dieu, qui fait croire. Qu'est-ce qu'il a croire? Écoutez, qui fait croire. Il va y croire. Qu'est-ce qu'il fait? On a mis au niveau de tout le monde,
et avant une mort, Jésus t'est fabulé. Moi qui te crois dans la rue, moi qui te sens en bas, comme on te fait dans la terre. Comme on te fait dans la terre. Comme on te fait participer. Jésus-Christ, c'est par nous. Nous, par célébrer. Jésus-Christ, maintenant, il mort. Mais il passe dans ton dos. Il ressuscite. Et c'est ça mon content. Amen, alléluia. Et si Jésus-Christ ressuscite, Jésus-Christ l'a pris en l'air, il passe. Parce que c'est pour ça qu'il est mort. L'homme du Seigneur, passe en l'air. Seigneur, ton nom. C'est pour ça que je t'aime. Mon Dieu, t'as envie de prier au matin. Quel est ton problème? Est-ce qu'on l'a envie de prier? Est-ce qu'on l'a envie de prier? Vous voulez mon Dieu, passe en la situation. Vous voulez mon Dieu, libérer de quelque chose. Vous voulez mon Dieu, agir en faveur. Mettez-vous debout, tu n'as pas prié. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et mon Dieu, tu as agi en faveur du Seigneur. Mon Dieu, venez vous sauver. Et venez vous libérer de ma prière. Pas que tu es gardien de vous, pas que tu es sacré en personne. Alléluia. Oui, tu veux victoire en nom de Jésus. Pas que tu es Satan fait au peuple personne pour ta guérison. Dis à ton parfait gorge en nom de Jésus. Dis à ton bon matin en parfait gorge parce que Jésus-Christ, il t'est mort, mais il n'est pas mort encore. Il est ressuscité. Alléluia. Donc, continuez l'université. Pharaon t'a obligé de libérer. Donc, continuez l'université. Il t'a obligé de libérer tes frères. Alléluia. Donc, regardez. Oui, il t'a obligé de libérer. Parce que tu fais. Parce que tu fais. Yo te obéi, bon Dieu. Yo te écoute sans. Yo te mange la chair. Yo te salue la vie à l'idée et yo te protéger. Je dis à, est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on a la vie à l'homme? Est-ce qu'on défend Jésus à l'homme? Est-ce qu'on est la vie, bon Dieu, à l'homme? Donc, quand ça peut manquer en vie, pour passer pour mentir en bagaille, nous voulons prier pour l'approcher, nous voulons prier pour l'approcher. Pour passer pour mentir en bagaille, pour mentir, et pas réussir comme ça, nous voulons prier pour